j'entends. La récréation. Bonjour les amis. Bonjour, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Des cadeaux pour les maîtresses, parce que oui, c'est la fin de l'année. Alors les copains, quand ils verront la vidéo, normalement, tout le monde sera déjà en vacances. Oui, hein? Moi aussi. Toi aussi, tu seras en vacances, oui. Là, on n'est pas en fin d'année. Si, on est en fin d'année. Ah. Là, aujourd'hui, on est mercredi, il reste encore 2 jours d'école. Donc, il faut qu'on se dépêche pour fabriquer les cadeaux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme cadeau? Cadeau pour les maîtresses. Pour les maîtresses, et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez là? Alors, des crayons. Ardoises. On a des ardoises. Et des étoiles. Et des étoiles. Alors, on a des ardoises comme ça. Ça, ce sont des marqueurs craie. C'est comme pour faire croire qu'on a écrit à la craie. En fait, ça ne s'efface pas. Hop. On a des petites pinces à linge blanches, comme ça, toutes petites, qu'on va pouvoir attacher à la corde, voilà. On a des petits aimants, ce sera pour coller derrière les ardoises, pour qu'on puisse aimanter les ardoises. Voilà, derrière. On a des crayons de couleur, avec des petits papiers cartonnés, comme ça, pour faire des petits dessins, qu'on accrochera avec les pinces à linge. On a des petits tissus adhésifs. Voilà, ça veut dire qu'ils se collent. Voilà, et ça c'est des petits, c'est pareil, c'est du papier que j'ai découpé, voilà, avec des petits bords zigzags, et que j'ai cartonné. Ceux-là, on ne dessinera pas dessus, on les attachera avec une petite pince, et en fait je les ai plastifiés, comme ça mais les maîtresses elles pourront écrire avec un Velleda dessus. Ça, les crayons pour écrire sur les tableaux blancs. Voilà, comme ça elles pourront écrire une petite note et puis l'effacer. La liste de courses par exemple. Alors, vous allez prendre... Voilà, par exemple, vous pouvez commencer par les étoiles, vous pouvez les coller sur les côtés. Quel côté? Bah, du côté que tu veux. Ah non, sur le bois, on colle, d'accord? Sur le bois là? Ouais, par exemple. C'est pas grave si ça dépasse. Fais voir, Harmonie. Ah, c'est bon, moi. Je mets. Non, c'est bon, moi, non? Très bien. Tiens, Harmonie. J'ai mis les deux. Mais moi, en fait, je vais laisser. Voilà. Et vous allez pouvoir prendre chacun des petits, des petites feuilles blanches. D'abord. Les petites feuilles blanches, voilà. Et puis vous faites un petit dessin. Non, les feuilles blanches, ça, ce sera après, Harmonie. Les petites feuilles blanches. Raphaël, tu peux donner une feuille blanche à ta sœur, s'il te plaît? Donne-la à ta sœur. Voilà. Vous prenez des crayons de couleur et vous faites un dessin dessus. Alors, moi je prends les petits aimants. Les aimants, c'est de la récup que j'ai pris sur des vieux calendriers qui s'aimantaient au frigo. Hop, je mets de la colle. Et voilà, je les colle simplement sur les côtés. Alors, maintenant vous allez pouvoir prendre les bouts de tissu. Vous en choisissez deux chacun. Un rose et puis un autre d'une autre couleur. Tu peux en prendre un orange aussi. Orange et orange. Pour Harmonie. Maman. Donne-en un orange pour Harmonie. Hop, voilà. Tout de suite. Voilà, et puis on va pouvoir les coller. Mais alors, il faudra les coller derrière le dessin et puis les replier pour que ça fasse un petit cadre. Comme ça. Sur le devant. Voilà ce que ça donne pour Valentin. Hop. Un joli petit cadre. Tu vas pouvoir accrocher avec les pinces à linge. Hop. Et maintenant, vous allez prendre la petite carte plastifiée et vous pouvez là aussi l'accrocher avec une pince à linge. Ah, tiens. On voilà. Oui, tu peux l'accrocher. Okay. On va pouvoir prendre les marqueurs et écrire merci, merci et le prénom de la maîtresse. Merci. Voilà, merci Béatrice, ou merci, merci Sabine, ou merci Cathy. D'accord? On y va? On va écrire. Et voilà, vous avez fini vos cadeaux? Faites voir. Waouh. Moi du coup, je ne peux pas. Ça va? C'est mon bonhomme.
moi, ça fait mon bonhomme. Ça fait un bonhomme, toi aussi, fais voir. Moi, j'ai pas fait chaud qu'il y a un truc de mou. C'est un smiley qui tire la langue, d'accord. T'avais un bonhomme avec des cheveux et puis des mains? Oui, mais ma maman n'était pas là. Comment ça fait? Fais voir. Hop. Et voilà le joli tableau pour mettre sur le frigo de la maîtresse. Non. Pour qu'elle pense à vous tout l'été. Oui. Elle va être contente, la maîtresse. Hein. Oui, ma maman. Bah oui. C'est chouette. Hein. Ça, c'est mes cheveux pour ma maman. C'est tes cheveux? Non, c'est les cheveux de ma maman. Ah, c'est les cheveux de ta maman? Oui. C'est mes cheveux alors à moi? Non. Ah, parce que t'as une autre maman? Oui. Ah bon, c'est qui? Moi. La grande maman, mais les grandis que ma maman y a essayé. Si vous avez aimé, mettez des commentaires. Surtout, abonnez-vous. Au revoir les amis. La récré à